Bon Sacha, on parle du pickleball, alors c'est quoi ce sport ? Alors c'est un sport émergent de raquettes sur un petit terrain réduit. Alors ça a été développé aux USA, mais ça prend de l'ampleur en France et en Europe. Alors pour faire simple, c'est une combinaison entre le badminton, le tennis et le ping-pong. Ah ouais. Donc c'est très ludique, c'est facile, c'est convivial. On est très proche au niveau du double quand on joue à deux de son partenaire, mais aussi de l'adversaire. Donc ça favorise la fraternité, c'est vraiment sympa. Donc on y joue comment et où, sur quoi comme terrain ? Alors en général c'est un terrain de badminton, donc c'est plus petit qu'un terrain de tennis, avec un filet qui est moins large qu'au tennis et plus bas. On utilise des raquettes plus grandes qu'au ping-pong et une balle en plastique perforé qui est très légère. Et la balle, elle est un peu plus grande qu'une balle de tennis. Donc un match, il se déroule en 11 à 15 points. Et puis, il faut servir à la cuillère, si tu vois ce que c'est comme service. Hein. Oui. Voilà, pour servir et puis pour marquer le point. Et puis, il y a un seul rebond, comme au tennis. Et puis, il y a une zone de non-volée qui est proche du filet. Pourquoi ? Tout simplement parce que comme le terrain, il est petit. Si tu es trop proche, tu peux faire des smatchs qui sont assez violents. Et c'est pour ne pas blesser l'adversaire. Donc, il y a une partie proche du filet où tu n'as pas le droit de faire un smash. Tu vois, tu as une volée. D'accord. Hein, voilà. Donc c'est vraiment un terrain qui est plus petit, tout le monde est plus près les uns des autres. C'est accessible à tout le monde ? Alors totalement, Nadia, totalement, c'est un sport inclusif idéal vraiment pour les débutants, les enfants, même les seniors. Même les seniors, ah ouais. Les sportifs et non sportifs, toute catégorie d'âge et tout niveau. Il y a moins de déplacements qu'au tennis, il y a moins de sauts qu'au badminton. Et puis la période d'apprentissage technique avec la raquette dans le jeu, bah, elle est très courte. Et puis les règles sont simples. Donc ah, c'est ça, vraiment j'aime bien. Bah, donc c'est on vraiment apprend fait vite, pour tout le monde, ouais. Mais bien sûr. Mais on fait quand même travailler quelques petits muscles tout de même. Ah bah oui, alors c'est un jeu, mais c'est aussi un sport quelque part. Donc, comme tous les sports de raquette, bah le pickleball, ça entretient et développe, ça va développer la motricité, la réactivité et les réflexes. À moindre échelle, ça conditionne l'endurance. Voilà, parce que le terrain, il est moins grand qu'au tennis, par exemple. Et puis, comme tout jeu, ça améliore la stratégie. Parce que bon, il faut quand même être un peu stratège pour jouer. C'est moins énergivore que le tennis ou le badminton, mais pour les vrais sportifs ou les joueurs confirmés, ben, ça sera un excellent entraînement pour améliorer la vitesse d'exécution. Parce qu'on peut jouer quand même très vite. Même si on ne se déplace pas beaucoup, on peut jouer très vite. Donc ça peut être quand même très intéressant pour les joueurs de raquettes qui font un autre sport. C'est toujours mieux de jouer que d'être sur son canapé. Hein. Ah ben ça, de toute façon. Et comment est-ce qu'on peut y jouer et où est-ce qu'on peut y jouer, pardon ? Alors bien que le pickleball soit en phase de développement, hein, un peu comme le paddle, il existe déjà des clubs dans la région. Alors notamment à Falck, à Mertens, à Dombasle, à Bertrange. C'est un petit peu loin. Encore, voilà, c'est vrai, mais si on veut découvrir et si on veut jouer, ben, on se déplacera. Voilà. Alors, nul doute qu'à l'avenir, bien sûr, les clubs ils vont se développer. Mais on peut également jouer sur un terrain de badminton. Il faut simplement ajuster la hauteur du filet en le descendant. Voilà. Et sur un terrain de tennis, on peut jouer également, mais il faut délimiter la surface avec du ruban. Mais pour l'équipement, je veux dire, les raquettes et tout ça. Ben, c'est tout simple. Hein. Tu vas dans les magasins spécialisés. Ils en ont ? Voilà, ils en ont. Et puis après, tu as les sites dédiés. Voilà. Voilà, donc c'est en phase émergente, alors ils n'auront pas forcément beaucoup de modèles, hein, parce que ça se développe, mais tu vas aller sur les sites, tu retrouveras déjà plein de modèles, et puis en général, toutes les grandes enseignes de magasins de sport, ils ont des sites dédiés, donc ça vient de chez eux, et voilà, ils l'auront aussi à disposition. Bon, tu vois, ça c'est un sport qui me donne vraiment envie de jouer. Ouais, parce que vraiment, tout le monde peut le faire, c'est simple, et tu cours pas beaucoup, donc, mais tu commences déjà... Ah oui, mais tu commences déjà à faire du sport, et puis c'est un jeu de raquette, donc en raquette, bien. En général, on aime bien, parce que même à la plage, en vacances, on joue aux raquettes. Et puis les règles pas compliquées, ouais, ça me plaît bien, et je pense que ça a de l'avenir. Alors on termine par le mot de la fin, Sacha. Pickleball un jour, pickleball toujours. On va faire simple. On va faire simple. Merci Sacha, vous retrouvez cette chronique sur notre site comme toutes les autres, radiomélodie.com. Et Sacha, nous on te retrouve la semaine prochaine. Tout à fait, bon week-end, bye bye. Bye bye.